Charlotte Kaziragi a donné du sien lors de la fête nationale monégasque, le 19 novembre. Pour que son fils Balthazar profite de l'euphorie comme son grand frère Raphaël et le reste de ses cousins, elle a tout fait pour l'aider. Dimanche 19 novembre avait lieu la fête nationale à Monaco, synonyme de deux jours de célébration dans la principauté. La famille royale était réunie et tous les regards étaient tournés vers eux, notamment lors de l'apparition du clan à la fenêtre. Un événement très attendu par les monégasques et qui a connu un moment particulier. Charlotte Kaziragi était pour l'occasion accompagnée de ses adorables fils, Raphaël, né le 17 décembre 2013 de sa relation passée avec l'humoriste Gad Elmaleh, et Balthazar, né le 23 octobre 2018, dont le père est son époux Dimitri Rassam. Comme souvent, les enfants étaient habillés de la même façon. Hier, seule leur cravate était différente, les deux garçons portant un costume bleu marine à carreaux. À la fenêtre, le jeune Balthazar n'était pas assez grand pour voir la foule. Sa maman, toujours aussi classe en mini-jupe et veste Chanel, a donc décidé de donner du sien en le soulevant. De quoi rendre Balthazar ravi, comme en témoigne son énorme sourire. Un doux moment inattendu, malheureusement raté par Dimitri Rassam, retenu pour son prochain projet cinématographique, Le Comte de Monte Cristo, en tant que producteur. Le clan soudé, les cousins enchantés, le prince Albert, son épouse la princesse Charlène et leurs jumeaux Jacques et Gabriella étaient bien sûr présents et souriants à la fenêtre du palais. Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco, Marie et son mari Louis Ducruet, la princesse Alexandra de Hanovre, Pierre Kaziragi, sa femme Béatrice Borromeo et leurs enfants Stefano et Francesco, Tatiana Santo Domingo, son mari Andrea Kaziragi et leurs enfants India, Maximilian et Sacha. Tous ont salué la foule. Et avec autant de cousins et de cousines présents, on a pu voir Raphaël s'amuser avec Stefano et Francesco. Des looks rouges à l'appel. Charlotte Kaziragi portait un vêtement de la même couleur que Charlène mais aussi que Béatrice Borromeo. Un choix certainement guidé par le thème de la journée et la couleur du drapeau monégasque, rouge et blanc. La maman de Jacques et Gabriella portait un long manteau en laine boutonnée rouge coquelicot accompagné de cuissardes, de gants et d'un chapeau de la même tonalité. Même ses boucles d'oreilles étaient assorties à sa tenue.